Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. La sirène transforme un fantôme ou encore un mort vivant en voiture. Est-ce possible? C'est notre vidéo réaction sur cette vidéo que nous avons faite sur la chaîne. Vous pouvez même la regarder. Est-ce qu'il est possible? Waouh! Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Si tu apprends aujourd'hui qu'on dit qu'une sirène a transformé une voiture dans le monde des ténèbres, une personne, un homme, dans le monde des ténèbres, en voiture, comme cette belle voiture que tu vois là, ou cette autre belle voiture, ou encore celle-ci, ne sois pas étonné parce que tout est possible. Tout est possible. Parfois, des choses qu'on nous dit, on n'est pas forcément obligé de voir ou de croire, mais ça existe bel et bien. Je ne sais pas si tu as déjà vu un homme qui a pris un œuf, qu'il a avalé ou bien l'a cassé. Ah, bon, regardez un peu dans Got Talent, American Got Talent. Vous voyez ce qui se passe là-bas au niveau de la magie. Il y a des choses vraiment terribles qui se passent là-bas. Et tout ce qu'on nous montre là, là où on voit les sorciers, on voit les magiciens qui font des trucs. Bon, ça t'étonne, non? T'es étonné? T'es surpris? Donc si on te dit qu'une femme, une sirène a transformé une voiture, un homme une voiture, c'est possible. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça pour un but. En fait, ce sont des démons qui sont là. Ça veut dire que les belles voitures que nous voyons forcément dans la rue là, ne sont pas, ne sont pas tous de vraies voitures. C'est parfois des cadeaux empoisonnés encore, des cercueils. Ils transforment même des cercueils en voitures. Tout ça, ça se passe dans le monde des ténèbres. C'est bizarre, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas bizarre? Je dirais même que c'est étrange, mais c'est bien réel. Ces choses existent bel et bien et il ne faudrait pas que ça vous étonne. Vous devriez même vous attendre à des choses encore plus graves sur la chaîne Nyans Reborn parce que nous allons travailler pour dénoncer, dévoiler toutes les œuvres du monde des ténèbres, vous faire connaître ce que vous ne savez pas ou les choses dont vous n'y avez même pas idée. Donc activez la cloche en bas. Abonnez-vous, ne pas manquer les toutes prochaines vidéos car waouh, ça va vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses dont vous les ignorez. A bientôt, sur Nyans Reborn, que Jésus vous garde, qu'il vous bénisse. A bientôt, Nyans Reborn.